Alors le projet, c'est le projet européen Icarus. Donc c'est un projet qui regroupe différents cas d'usage. Et l'Institut de l'élevage travaille sur le cas d'usage du drone en élevage. Il y a aussi dans ce projet la viticulture, l'épandage par drone, la logistique rurale et la sylviculture. Alors aujourd'hui, c'est 8% d'éleveurs qui utilisent le drone en élevage et 19% qui souhaitent ou envisagent de s'équiper. Notre priorité, donc, c'est le comptage des animaux. On travaille aussi sur l'impact du drone sur le travail, sur l'environnement et tout ce qui est économique. Mais aujourd'hui, on en est dans la première année. Donc l'idée, c'était un peu de dégrossir la situation, de comprendre les utilisations et de guider les éleveurs dans leur choix de drone. Un éleveur qui s'équipe, le principal sujet auquel il doit faire attention, c'est la réglementation. Donc nous, on est là pour accompagner les éleveurs. On va publier un guide, le guide des bonnes pratiques du drone en élevage, publié par l'Institut de l'élevage. Et le guide sera disponible gratuitement dans le mois qui va venir et en ligne sur le site de l'Institut de l'élevage. Un éleveur aujourd'hui, la principale utilisation, c'est la surveillance des animaux. Donc, par exemple, surveiller les animaux à distance pour surveiller les comportements anormaux comme les boiteries. Il peut également localiser les animaux. Ça peut être grâce à la caméra thermique, par exemple, pour les brebis en zone de parcours. Il peut également surveiller tout ce qui est environnement. Donc les abreuvoirs, les zones à pâturer, les enrouleurs. Et puis enfin, nous travaillons sur un sujet exploratoire, le comptage automatique des animaux en élevage. Le drone, c'est l'œil de l'éleveur dans le ciel. On ne peut pas faire de choses magiques, c'est juste l'œil de l'éleveur qui est dans le ciel, quoi. Donc ce que peut faire l'éleveur, donc compter les animaux, le drone pourra être capable de le faire.